Bonsoir, donc je suis Guillaume Lavard, moi je suis directeur de l'EIPM qui est le European Institute of Purchasing Management qui donc forme des acheteurs dans des grands groupes internationaux depuis une trentaine d'années maintenant et également dans des entreprises de taille moyenne. Donc ma vision de l'évolution du métier des achats et ce qui est attendu de nous en fait c'est de développer des compétences qui soient nouvelles et un peu différenciantes par rapport aux anciens, à la perception ancienne des achats qui était une perception de contrôle en fait et de décision et qui doit évoluer en fait à la demande de nos grands donneurs d'ordre vers une vision dans laquelle la valeur ajoutée des achats va être plus un apport de business intelligence pour construire en fait des business cases, proposer des solutions, proposer des options, plutôt que de se positionner dans un rôle de contrôle voire même de décision en fait sur des choix ou des orientations concernant les achats. Voilà, donc ça implique le développement d'un certain nombre de compétences qui sont des compétences à la fois d'études et d'analyse de marché et de savoir en tirer en fait une vision, une compréhension et de développer des stratégies par rapport à toute la chaîne de valeur en amont. Et également des compétences sur des capacités d'influence sur les orientations et les décisions que peut prendre le business, puisque c'est à eux de le prendre et non pas aux achats, concernant en fait justement l'exploitation de ces ressources extérieures à l'entreprise. Voilà, donc pour résumer, davantage de capacités d'analyse et d'apport de business intelligence concernant le marché des ressources externes et des capacités en fait presque de vente en fait, d'influence en tout cas, et presque de vente en fait en interne. Voilà.